qui est derrière ce complot pour nuire Nagui Luando tozobi misa ba vérité nyonso wana na émission oyo ba tricheur ya makasi ya élection bakangi bango ba machine à voter bakangi bango ba bulletin de vote bakangi bango ba preuve et belé que ba tricher na élection oyo apparemment il y a commis un règlement de compte makambo il y a commis salé manaseni apparemment il y a commis un règlement de compte et ça na tentative il y a invalidation il y a qu'au déclasser Guy Luando bateau nyonso basali ba désordre kuna na bokongo tous bazana kishasa awa la plupart bazana kishasa awa na maboko ya autorité ya mboka la plupart bazali kuna na ba service compétent oza kolandela bango ba kosala banquette bayeba qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a un certain groupe de gens oyo bazali ko comploter contre invalidation ya Guy Luando ba respecter règles ya jeté mais bato nyonso ba ko cité bango te mais bato yo bazali ba exemple bato bazali lokola ba modèle bato bazali bazali na bolingo ko travailler pour na intérêt général ya mboka biso Congo nde bato ba komi koloka ba bondisa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parlons Vrai. J'ai dit un très grand merci à tous les fidèles internautes et téléspectateurs, les amoureux des CNR Télévision, on apprécie bas meilleurs vœux parce que nous sommes encore au début de l'année. J'ai dit un grand merci comme ça à tous les partenaires des CNR Télévision. Nous y sommes en 2024 parce que Toutaki n'a pas festivité, il y a fin d'année, il y a 2023, de l'exaki ango. En plus, na ma ponami, na ba élection où il est kaki, na mboka na biso Congo, et ça qui, mokolo, il y a le 20 décembre 2023, neto kendaki, na ma ponami, pour na tuye banako, pour na ba oyo, ba ko représente biso, na ba institution ya mboka, ba oyo ba kosa la ba lobel na biso, ba oyo ba kosa loko la ba kambi na biso, durant les 5 prochaines années. Oyo déjà de côté na kati parce que déjà cour constitutionnelle pe baruta ki ko pe sa confirmation donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo cour constitutionnelle a aussi confirmé comme les présidents définitifs après juste la publication de la CENI où a publié que le ko la président provisoire Mikolo Eleki et puis mokolo il y a lobby cour constitutionnelle a ébaki pe na kotia mokolo tonaye Félix Antoine Tshisekedi et les présidents définitifs de la RDC diront le 5 mandats à venir. Donc les 5 mandats que nous venons déjà de commencer, nous attendons juste que l'investiture nae et Salema mokolo ya le 20 janvier si tout va bien selon calendrier de Ezalaki. Voilà, tolanda ki pe lolenge CENI ba ébaki na kobimisa liste ya ba e oyo ba ya baki na ko triche ya ba o ba ya ba ya baki na ko tambola lo lenge e singela kite selon règle de jeu nde ezala kite ya maponami ndenge seni a e baki na ko écarté bango mais à notre plus grande surprise to moni mo ba kombo e beleza na kati oyo pe e ko tia biso na moi na moi ko kosomo ke to comprendre bien te qu'est-ce qui s'est réellement passé est-ce que tous ces gens là vraiment ont-ils triché? Est-ce que tous ces gens-là vraiment, bah, ils vont commettre un acte oyo, seni, aebi, na ko reproché bango, tout ça, to ko bango, na kati, ya émission oyo. J'ai dit un grand merci à l'apôtre Julia Kangoni depuis Brésil, un grand merci à Igo Mabiala, j'ai dit un grand merci à tous mes partenaires de Simbelenga depuis la France, à tous ceux qui nous soutiennent depuis partout, apôtre Simo Kivoloka depuis l'Allemagne, j'ai dit un très grand merci. Nabandeko Nyonso Banarabiso à travers cette émission Parlons Vrai en direct. Il y a CNR Télévision ainsi que tous les chaînes partenaires Oyo, Bazwa Kabiso. En relais. Voilà. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentil Ngobila Mbaka, yépé, bah, il n'a pas sanctionné. Bah, le biais trichaki, la élection est au Tikoleka. Selon mes infos, selon mes câbles, selon mes infos, n'a rien à couloir. Je suis très déçu d'apprendre cela. Bobi na mboka na biso Congo batoire moko baluka ko sala makambo en excès
batouer moro balukaka ko exagéré na marambotu. Selon ben fond nanga ya couloir ba câble nangaï, j'aurais appris que il y a un certain groupe de gens oyo bazali ko comploter contre invalidation ya Guilouando. Guilouando, c'est un monsieur, c'est un ministre que nous connaissons tous dans ces pays. Pour na savoir faire naïe, pour na ko travailler, pour na intérêt général, il y a République démocratique du Congo. Mais nous aurons appris parce que yé a posé une candidature naïe na circonscription il y a parce que na circonscription il y a Bokungu, qu'on a Équateur. Je suis très surpris, il y a koyo kake Guilouando a triché na ba élection oyo. Guilouando batika liko kangaye na machine à voter. Guilouando batika liko kangaye na ba preuve ya tricherie. Mais nous aurons nous donc j'aurais appris que ils ont la tentative, il y a invalidation, il y a qu'au déclasser Guilouando. Qui est derrière ce complot pour nuire na Guilouando? Toujours lui mais ça va vérité nyo soana na émission oyo. Guilouando, je ne le connais pas personnellement. Na mona kaka kana ba tando ike, na mona kaka kana ba réseaux sociaux, na mona ka mosala oya salaka. Apparemment, il commet complaisance. Tout le monde a besoin de ça, tout le monde a besoin de ça, mais ça là, oyo. Neko oyo, moi, je suis là, Guilouando a salaka pour la République démocratique du Congo. À travers sa fondation, Widal. Tout le monde a, même à Kambo, a salakuna, na. Na province na bango kuna na Équateur. Tout le monde a eva na ça même a na na Kinshasa a. Apparemment il commis règlement des comptes. Makambo il commis ko sale manaseni. Apparemment il commis règlement des comptes. Apparemment. Mais il y a certaines personnes où yo ba tricher na ba élection. Il y a certaines personnes où yo ba commettre ba bavir ma kasi na élection oyo mais bato bakangi monoko bako cité bangote bako cité bangote ba tricher ya makasi ya élection bakangi bango ba machine à voter bakangi bango ba bulletin de vote bakangi bango na ba preuve et belé ke ba tricher na élection oyo ba respecter règles ya jeté mais bato nyo bako cité bangote mais bato yo bazali ba exemple bato bazali lokola ba modèle bato bazali bazali na bolingo ko travailler pour na intérêt général ya mboka biso Congo nde bato bakomi koloka ba bundisa nde bato bakomi koloka ba bundisa. Nous avons besoin des gens que nous avons élus bo bimisela biso bango le lenge to pona ki bango parce que volonté à peuple. Volonté à peuple, ne il faut ils la respecter. Volonté à peuple les alinini. Peuple à kenda qui a voté moto songolo toki mo soki moto pakala. Ne volonté à peuple en Angoana. Mais aujourd'hui, nous sommes très surpris d'apprendre que il y a un groupe de gens réunis quelque part en train de travailler jour et nuit pour nuire à l'image de monsieur Guilouando que nous respectons beaucoup. Que nous respectons beaucoup. Toi là na moi moté ma mala mon moké na mboka na biso Congo. Toi là moi moté ma mala mon moké. Bateau ba ko sala mon sala, bateau ba ko travailler pour na intérêt pour na développement mboka na biso Congo, ba ko simba ba ngoté. Mais de grands voleurs très bien réputés, bateau ba sali mon sala o na ki moté ma ya mabe juste pour na intérêt na bango, bateau na nyonso, baza ko dénoncer bangoté. Baza ko dénoncer bangote. Mais nous tous toyebi bango. Toyebi bango ba to ba ba kuti na kata ba tricherie na kata makambu ya maponami oyo. Un monsieur exemplaire comme ça qui comme Guilouando. Quand j'étais en train de préparer cette émission, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Apparemment kuna na Bokungu ba bavure et salemaki. Ndenge ba bavure et salemi un peu partout et c'est comme maponami et salemi.
bato ba bundaki bato ba zokaki ba msusu na ba centre msusu ba bitumbe bimaki ba makambo bimaki kili kili ezali ka yaba centre ebele yaba circonscription ebele yaba place ebele c'est comme aponami salemaki. Mais qui vous dit que c'est monsieur Guy Luando qui est derrière ça? Est-ce que vous avez le preuve pour les disqualifier de la course? Est-ce que vous avez de preuves? Parce que tant que vous avez des preuves, vous avez des preuves. Est-ce que vous avez de preuves? Bato nyoso basali ba désordre kuna na Bokungu, tous bazana kishasa awa, la plupart bazana kishasa awa. Na maboko ya ba autorité ya mboka. La plupart bazali kuna na ba service compétent oza kolandela bango ba ko sala banquette mayeba, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le groupement, il y a le groupement Bolanda, Itoko, Lotol, Jean de Meyer. Okay. Je suis Gaston Rifake, président de la non-stabilité territoriale de Bokungu. Je suis le groupement à Mandjou Kouli, Bobongo, Yéke, le Karantou, le Bakouma, le Kindo, le Jouzé. Je suis Maman Marie-Thérèse Lomolia, notable à Bokungu. Je suis Maman Martine Kila, notable à Bokungu. Je suis Maman Marie-Thérèse. Électuer les caca dans les 20. Les cambo moko ya mabe ezala kate. Ezala kate. Pona komona ba video ana nyoso ezaki ya lokuta po. Ministre vota kaka ka ye moko na mwasi babaluki bazongi. Ba video ana biso ba nota beto yebi yango te. To yebi yango te. Bo ya mabe na ba electio baza siko na maboko a leta. Tuna leta ba ko yebi sabini. Élection et les cas qui n'ango malamu n'a pourquoi des incidents hier qu'obim tango ebimaki bateau bazala qui victime na yango l'État a sa droit qui disposition service ya sécurité bazali awa basi ba memaki ba rapport na bango déjà kuna na Kinshasa bateau bazokaki bazali na Kinshasa bakufi basi bakundamaki oui. L'État déjà basi ba ebi di kambowana bango baladela bango kuna mais pour la ba vidéo oyo wana ezali ba montage biso toyebi yango te ezali boye ndenge salemi partout nga zaki na Congo central na ngene ko sala couverture na Congo central na moni et salemi presque partout même ici à Kinshasa to bande ko so ba information qui a fait beaucoup de bavure aussi. Mais quand vous voulez accuser quelqu'un il faut amener de preuves. Volonté à peuple des volontés oyo et sengeli ko bimisela biso yango. Le peuple a fait son choix. Bokungu kuna na Équateur ba vota ki massivement ndekoki Luando. Mais na kimote mama be ya moi groupe ya bato ba na bango pe minorité. Na kimote ma ki solo kana bango. Nyoso ba ko sala pona ba intérêt na bango. Tout ça va combattre Guy Luando te va combattre nde ba voix ya ba congolais o ba kenda ki batinda moto wana pa kende ko représenter bango. Vous ne combattez pas un individu, vous combattez la volonté de la population congolaise, la population des Bokungu qui ont fait confiance à M. Guy Luando. Nous demandons au président de la CENI, M. Kadima, président Kadima, de faire votre travail, le lingé, ya moto ya sembo, de faire votre travail parce que topona ki ozala wana pona organiser ma ponami oyo. Vous savez, avec ces histoires des élections, écrire Makambo Ebele juste après ici. Okosa alem sous Makambo par influence. Okosa alem sous Makambo parce que les autres vous ont dicté qu'est-ce que vous devez faire. Mais après, il y a des conséquences qui arrivent que j'irai en comme Makambo Pena Kokoso. Que j'irai en comme Makambo Kokoso. Nous savons que c'est un monsieur qui est très intelligent, Denis Kadima. C'est un monsieur qui a fait ses preuves. Nous avons confiance à vous. Mais respectez la volonté de la population congolaise. Respectez la volonté de la population congolaise.
batindi moto na bango ki ndeko représenter bango alors botika e akende ko sala musala na ye. Un monsieur exemplaire comme ça, comme Guy Luando. Ou à Saliba, prof naïe dans la République démocratique du Congo. Qui ne connaît pas Wildal dans ce pays? C'est une fondation où il contribue ma casse pour le développement. Il y a Mboganabiso Congo. Et apporter en plus nango pour Mboganabiso le Congo. Tout est dans la solution, le problème est belé. Moutal, même ensemble provincial, na Bangokuna. Moto a réhabilité, moto a bongi ça, c'est monsieur Guy Luando. Un monsieur comme ça. Un monsieur où il y a souci à intérêt général et à la population congolaise, c'est un monsieur comme ça que vous voulez combattre. Un monsieur comme ça que vous voulez combattre. C'est regrettable. Dans notre pays, des fois, les gens, même à Maranaba sentiment. Il y a un bateau mingi au Kati Awa. Na liste ya bato babi na ko invalider parce que selon ba câble na ngaka selon mes informations parce que nos caméras sont partout nous sommes informés à temps réel ils ont la deuxième liste ko bima ya ba invalider on les a ka comme ba information couleur to zwaki alors arrêtons de créer encore des problèmes là où il y a déjà des problèmes. Ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis partout. Mais c'est Guy Luando, je ne vous connais pas personnellement. Mais moi, je crois en vous. Et j'ai foi en vous. Par rapport à ce que moi, j'ai vu, il y a ma réalisation là. J'essaie d'étudier la personne de M. Guy Luando. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Ne désespérez pas, continuez, travaillez encore dur. La population congolaise a besoin de toi. Tous les enfants de l'Équateur, la population de l'Équateur, de Bokungu, ont besoin de vous. Alors, ne baissez pas le bras. Ne baissez pas le bras parce que la population congolaise compte sur vous. C'en est fini. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique. J'ai dit un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis partout. Moi, c'est Dirk Ngongo. On s'y retrouve dans un instant pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.